Alors pour mettre en place un bon programme, nous, on a tiré quatre grands enseignements principaux qui peuvent être intéressants de partager. Le premier, c'est que c'est un programme qui doit se baser sur le volontariat des collaborateurs. On n'impose pas un collaborateur de partager des postes sur ses propres réseaux sociaux, en lien avec l'entreprise ou en lien avec ses sujets. Le deuxième point, c'est l'animation. C'est un élément phare, créer des rituels, des rendez-vous réguliers avec les collaborateurs, que ce soit des rendez-vous physiques, mais aussi d'animation, des challenges, créer des formations... Partir à la rencontre régulièrement et les animer, c'est un levier très très important d'engagement. Et le dernier point, c'est ne pas limiter à ce qu'on peut appeler l'effet perroquet de, de l'employé advocacy. C'est important de proposer aux collaborateurs le contenu officiel à partager. C'est ce qui va permettre, nous, en tant que marketing et communication, de doper l'impression de nos postes réseaux sociaux. Il est important de leur proposer des vrais sujets, du contenu qui va les intéresser en lien avec leur expertise, puisque c'est ce qui va, eux, leur permettre de développer leur présence sur les réseaux sociaux, leur personal branding, et c'est ce qui les amènera aussi à partager des contenus officiels après.